Fabien, peut-on se passer d'un notaire pour rédiger son testament? Évidemment. Mais j'aime pas beaucoup cette formule-là. C'est ce qu'on appelle le testament holographe. On l'écrit à la main, sur papier libre, il n'y a même pas besoin de marquer, On saint en fait d'esprit, quoi? tout ça. D'un testament? Et une fois que vous l'avez écrit, vous le mettez Eh où? bien, on le garde chez soi. On peut en faire une copie, le confier à un ami, etc. Mais le problème, c'est qu'effectivement, justement, c'est pour ça que j'aime pas trop cette formule-là. Parce qu'on peut le perdre. Et puis surtout, il peut y avoir des erreurs d'interprétation à l'ouverture du testament. Souvent, par exemple, ils disent: Ah ben, moi je donne cette maison et ce qu'il contient à un tel, et puis tel meuble à l'autre. Ouais. Et puis le meuble, il est dans la maison. Oui, mais ça annule tout, hein. Ah bon? Ah Ah ouais. oui, ah oui. C'est dramatique, ces trucs-là. Donc, on écrit son testament à la main. Peut-être, on va le faire relire par son notaire. Éventuellement, si c'est compliqué, on le fait écrire par son notaire, ça ne devient plus un testament holographe, c'est le testament authentique. On dicte au notaire ce qu'il faut, mais au moins tous les termes sont exacts, le partage, et puis il faut respecter un certain nombre de droits, à qui revient quoi, les enfants sont prioritaires, etc. C'est quand même compliqué ces choses-là. Justement, comme c'est compliqué et que ce sont des questions délicates, on y consacrera un dossier dans la quotidienne, ce sera le 23 janvier prochain. Merveilleux. Vous serez là, vous serez Oui, là, Fabien. je